de toutes les choses une cacahuète, vous savez. Je suis particulièrement passionné par la cacahuète parce que il y a eu une période de ma vie où je ne me nourrissais que de cacahuètes et de bananes, c'est tout. Parce qu'elles ont tout ce qu'il vous faut. Juste des cacahuètes trempées, une poignée, ça, de cacahuètes trempées pendant la nuit, une banane, ça me faisait toute la journée. Je suis parfaitement actif, plus actif que ce que la plupart des gens pourront jamais imaginer. Ça a tout pour vous soutenir. C'est un aliment complet à lui seul. Si vous la faites tremper pendant plus de 6 à 8 heures, cela fait disparaître certains aspects appelés pitta. Vous savez ce que c'est, pitta? Les médecins allopathes ne regardent pas ça. Mais l'Ayurveda est basé là-dessus. Ushna, Shita et pitta. Ça enlève le pitta, on prend cette cacahuète trempée, on la mâche bien et on la mange. Assurez-vous juste que ce n'est pas je ne sais pas quelle bêtise génétiquement modifiée. Une chose, c'est que elle pourrait être génétiquement modifiée. Ils ne déclarent plus ce qui est modifié et ce qui ne l'est pas. Une autre chose, c'est que vous injectez des engrais et des pesticides à tel point que la cacahuète n'est plus une cacahuète. Veillez juste à ce que ce soit quelque chose d'un peu plus bio. Si vous voulez petit déjeuner, vous voulez une recette. Vous prenez une poignée de cacahuètes, vous les faites tremper dans de l'eau pendant 6 à 8 heures, vous les mettez dans le mixeur, si vous voulez ajouter des fruits, vous ajoutez une banane ou tout ce que vous voulez. La banane va bien, vous pouvez ajouter n'importe quel autre fruit. Si vous voulez mettre un peu de miel dedans, 2 minutes. Vous avez un excellent petit déjeuner tout prêt, ça prend 2 minutes à faire. Et si vous le voulez un peu plus liquide, ajoutez plus d'eau et buvez-le simplement. Si vous le voulez comme un porridge, vous le faites épais et vous le mangez. Vous allez voir, facilement, ça va vous faire tenir 4 à 5 heures. Et c'est hautement nutritif.